Nancy 14e accueille Chambly 6e. Les Nancéens restent sur deux matchs nuls et voient l'opportunité en accueillant un promu de s'imposer à la maison. Un promu qui sort de la première défaite subie cette saison. 4 buts à domicile contre Auxerre en ayant encaissé ses premiers buts sur cette saison de Domino's League 2. Chambly vient donc de subir une grosse défaite sur la journée précédente alors que tout allait bien. Nancy profite de la situation en marquant rapidement. Les Camblysiens sont un peu perturbés et Amine Bassi marque après 4 minutes seulement. Premier but de la saison pour Amine Bassi qui était blessé sur les premiers matchs. Nancy est en très grande confiance et notamment Amine Bassi pour cette tentative magnifique. Une série de dribbles puis cette frappe sauvée par Simon Pondémé. Les Nancéens sont en verve, nouveau centre d'Amine Bassi. Le ballon qui navigue dans la défense camblysienne. Puis se tire à côté pour Saliou Cisse, l'international sénégalais. Chambly a eu beaucoup de difficultés à entrer dans le match. Nancy est dominateur, 1-0 à la mi-temps. Il semble que la première défaite et les premiers buts encaissés cette saison par Chambly soient toujours dans les têtes alors que le classement reste excellent pour le promu. Et Chambly revient du vestiaire en commettant des bêtises et notamment celle-ci. Relance catastrophique de la défense. Ballon intercepté par Amine Bassi qui après un but offre le but à son coéquipier Maktar Gueye. Deuxième but de la saison pour l'attaquant sénégalais. 2-0 pour Nancy juste avant l'heure de jeu. Un but et une passe décisive pour Bassi. Nancy a deux buts d'avance. Tout va bien pour la formation de Jean-Louis Garcia. Celle de Bruno Luzzi est sans réponse. Quelques minutes plus tard, les Lorrains continuent à attaquer. Ils sont dans un bon soir. Ousmane Sissoko pour le centre. La reprise de la tête de Wagner Diaz Gonçalves, sauvé par Simon Pondémé. Mais le joueur capverdien a suivi et réussi à marquer son 4e but de la saison. Wagner, buteur comme souvent avec l'AS Nancy Lorraine. Et 3-0 à la 62e minute. C'est très dur pour Chambly. La défense de Chambly qui a encaissé 4 buts sur le match précédent, qui en prend 3 ici. La solidité de début de saison semble déjà un petit peu loin. Occasion de 4e but pour Nancy avec la reprise de la tête d'André Donendo, entré à la 63e minute à la place de Maktar Gueye. Le score est sans appel et la victoire logique. Victoire de Nancy 3-0 contre Chambly.